Alors, bonjour tout le monde, bonjour! Bienvenue à cette entrevue en direct de Je m'oriente à live, proposée par Jeune Explo Stage d'un jour. Je suis en mon nom. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle François-Xavier Arbeck, je suis conseiller d'orientation et animateur chez Jeune Explo. D'ailleurs, je voulais vous féliciter, les jeunes, de vous connecter, de prendre le temps de regarder c'est quoi le métier d'une comptable professionnelle agréée. Et on va prendre le temps de présenter. Pour le lancer, le grand retour d'activité, on est très heureux d'accueillir Mme Péloquin, qui travaille à l'Ordre des CPA du Québec. Et simplement pour vous rappeler, tout au long de l'entrevue, si vous avez des questions, les jeunes qui nous écoutent à la maison, vous pouvez laisser dans les commentaires vos questions. On tentera de les énoncer à Mme Péloquin tout au long de l'entrevue. Alors, bonjour Julie, ça va bien? Ben oui, toi. Oui, ça va bien, merci. D'abord, pourquoi c'est important pour vous de participer à Jeune Explo? Ben en fait, je pense que c'est important parce que il y a plein de métiers, plein de professions qui existent, puis il faut que les jeunes puissent faire un choix éclairé. Je suis maman de deux jeunes ados, puis ben pour moi, c'est important de leur expliquer toutes les facettes, toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Puis je sais comment ça peut être difficile aussi, fait que c'est pour ça que me voilà aujourd'hui. C'est parfait. Puis oui, effectivement, là, quand on est mère de deux enfants, on est soucieux un peu de la carrière qu'ils peuvent entreprendre, peut-être en secondaire 3, secondaire 4. C'est tôt un peu dans le développement pour savoir dans quelle direction aller. Puis effectivement, là, comptable ou comptable professionnel agréé, CPA, c'est une profession là, qui mérite d'être bien connue, puis qui a beaucoup d'opportunités au niveau professionnel. Ben oui, exactement. Je pense qu'on est attiré par le monde des affaires. Le titre des CPA, j'arrête pas de le dire, c'est comme la clé qui te permet d'accéder au monde des affaires puis qui te permet là, de vraiment là, de te promener puis vraiment de répondre à tes objectifs de carrière le plus rapidement possible, je dirais là. Et Julie, dans ton cas, comment tu t'es introduit, comment tu t'es inséré professionnellement dans le métier de comptable? Ben en fait, moi, j'ai toujours été attirée par le monde des affaires, la gestion en tant que telle. Tu sais, je voulais prendre des décisions dans la vie, là. Puis, tu sais, parallèlement à ça, je dois dire, mes parents sont médecins, puis je trouvais que c'était comme important d'avoir un titre professionnel. On aurait dit que je pouvais pas avoir de titre professionnel dans ma vie. Fait que quand je me suis dirigée en administration des affaires, ben, on dirait que c'était comme une évidence qu'il fallait que j'aille vers le titre de CPA. Puis, je pense que ça m'a bien servi, mais j'ai vraiment vu qu'il y avait plein de possibilités d'emploi, que je pouvais travailler dans plein de domaines différents. Donc, c'est un peu comme ça là, que j'ai navigué là, dans mon choix là, pour m'orienter en tant que CPA. Effectivement, là, donc de se diriger dans une formation, une profession qui va nous mener vers une association ou un titre professionnel, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant pour favoriser une meilleure insertion professionnelle et aussi peut-être une reconnaissance là, ou un prestige. Ouais, ben c'est comme un saut de qualité, tu sais. Tu présentes pas Julie Péloquin, je suis bachelière en quelque chose, tu sais. Je suis Julie Péloquin, je suis CPA, je suis comptable professionnel agréé. Je dois suivre des heures de formation continue à chaque année. J'ai passé à travers un examen professionnel. Donc, tu sais, il y a un gage de qualité, il y a un saut de confiance qui s'installe entre ton employeur et la personne, là, la professionnelle que tu es, là. Effectivement, là, quand on fait partie avec un titre professionnel, on a certaines imputabilités par rapport à la loi. Tout comme un conseiller d'orientation, quand vous allez Exact. voir un qui est formé, qui porte le titre de conseiller d'orientation, donc il est membre d'un ordre professionnel et aussi il doit respecter un certain code de déontologie puis un niveau de professionnalisme par rapport au service donné, là. Exactement, exactement. Tu sais, dans le fond, quand tu fais partie d'un ordre professionnel, tu sais, la mission première d'un ordre professionnel, c'est de protéger le public. Donc, la personne qui fait affaire avec un conseiller d'orientation, un CPA, un médecin, un avocat, bien, si jamais il éprouve des difficultés avec le professionnel avec lequel il travaille, bien, il y a un recours, tu sais, il peut aller s'adresser à l'ordre professionnel, puis à ce moment-là, bien,
Il y a une enquête, puis on fait en sorte que le professionnel, bien, il faut qu'il rectifie le tir le plus rapidement possible. Donc, c'est quand on dit un saut de qualité, bien, c'est un peu ça aussi, là, t'sais, en tant que professionnel, nous aussi, on doit protéger le public jusqu'à un certain point dans ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, là. Effectivement, protéger le public au niveau de l'aspect financier, au niveau de l'organisation, comme c'est ben sans aller dans les détails trop, mais la je vais donner un responsabilité exemple, professionnelle. Peut-être. Pardon? Veux-tu que je te donne un exemple? Oui, s'il vous plaît. Ben, dans le fond, tu sais, je peux donner un exemple. Moi, j'ai commencé ma carrière en cabinet comptable. Donc, quand on est un auditeur, ça, c'est un titre qu'on peut avoir en étant CPA. Donc, un auditeur dans un cabinet comptable, bien, dans le fond, il y a des clients. Les clients, c'est des entreprises. Les entreprises doivent émettre des états financiers, soit pour aller chercher un prêt à la banque, pour aller chercher des investisseurs. Donc, pour donner un saut de qualité aux états financiers, ben, il va embaucher un auditeur, puis celui-ci va aller chez son client, faire la vérification de des données comptables. Mais oui, c'est des chiffres, mais il faut comprendre aussi tout l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. Et puis, à ce moment-là, ben, le CPA, après son analyse, il va émettre une opinion sur les états financiers, ce qui va faire en sorte qu'après ça, l'entreprise ben, peut dire, bon, ben, mes états financiers ont été validés par un CPA, voici ce qu'il y en est. Et puis, aller chercher un prêt, par exemple, ou aller chercher d'autres investisseurs, ou être coté en bourse, par exemple. Donc, et à ce moment-là, ben, le CPA, en tant que tel, quand il émet une opinion sur les états financiers, c'est là où la protection du public rentre en compte. Parce qu'après ça, si l'entreprise, elle est cotée en bourse, et puis que la personne décide d'investir dans cette compagnie-là, bien, elle va regarder les états financiers, elle veut s'assurer que les données sont bonnes, mais les données ont été certifiées par un CPA, donc ça vient donner de la crédibilité aux chiffres, mais c'est là tout l'aspect de protection du public. Fait que j'espère que c'est un peu plus clair, là, point de vue. Absolument, on comprend mieux, puis ça permet, c'est ça, ça met de la viande autour de l'os, puis en même temps, ça évite d'avoir des cas où est-ce qu'il y a de la fraude ou peut-être les états financiers ne correspondent pas exactement à la réalité des choses. Il y a même des CPA qui sont jury comptables. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu nos Sherlock Holmes de la comptabilité. Donc, eux, sont vraiment des experts en fraude. Donc, eux, là, ils vont aller décortiquer là, à la scène très... toutes les données pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de fraude et ou sinon les déceler puis comprendre comment le stratagème s'est fait. Et puis souvent, ces comptables-là qui sont des jurys comptables sont appelés à témoigner en cours comme experts en la matière. Donc, pour ceux-là qui ont l'âme d'enquêteur, ça peut être une belle avenue là, également. Effectivement, on peut investiguer. C'est vraiment intéressant cet aspect-là. Oui. Et puis, Julie, expliquez brièvement à quoi ressemble une journée type de votre travail. Quelles sont les principales tâches qui se répètent ou qu'on revoit au quotidien? Bien, tu sais, c'est sûr, là, moi, présentement, je suis vice-présidente à mon ordre professionnel. Donc, je m'occupe de faire rayonner la profession de CPA. Alors, comme je te disais tantôt, avant qu'on commence, j'ai un petit côté mini-week. Tu sais, j'ai un côté sérieux, fiable, rigueur de données. Mais de l'autre côté, j'ai mon petit côté givré. Parce que je suis retournée étudier en communication marketing et puis ce qui fait en sorte que ben je suis rendue au rayonnement de la profession, donc tout ce qui est développement des affaires, la fondation des CPA qui offre des bourses, le recrutement dans les universités, tout le sentiment d'appartenance pour les membres, les commandites, les partenariats. Fait que mon poste en tant que tel est très, très varié, puis je pense que c'est ça qui fait la beauté là, de mon emploi actuel. Donc, ça peut être une journée, il y a différents aspects. Je te dirais qu'il y a des aspects décisionnels dans ma job, donc participer au comité de direction, à la planification stratégique de l'ordre en tant que tel. Donc, c'est quoi notre mission? C'est quoi notre vision? C'est où on veut être rendu dans 2 ans, dans 3 ans, se donner des objectifs. Donc, puis là, par la suite, ben, faire le plan d'action pour mon équipe à moi, ma vice-présidence. Il y a des aspects RH, puis ça, peu importe dans le domaine où tu vas travailler, souvent, en tant que CPA, on se ramasse gestionnaire de personnel. Ça peut être des équipes de 5, 10, 15, 20. J'en ai 20, mais il y en a qui en ont beaucoup, beaucoup plus. Donc, fixer des objectifs.
faire des rencontres de suivi de projet, regarder notre organigramme, ça tient-tu la route, puis y en a-tu qui devraient être déplacés, faire des descriptions de postes, évidemment, puis écouter, je pense qu'il faut être à l'écoute de nos employés, donc souvent je vais passer du temps avec mes employés, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs enjeux, ça, je veux dire, on vit pas dans un pays de filles de licorne, malheureusement, donc des fois il y a des conflits, il faut les régler, fait que ça peut être l'aspect RH. Okay. Médiation aussi avec le personnel. Oui, mais ça, souvent, les équipes, là, les ressources humaines vont nous accompagner à ce temps-là. Mais tu sais, des fois, juste désamorcer un petit conflit entre deux employés, puis ça, la vie est belle, on tranche, puis tu sais, on continue. L'aspect financier, là, c'est peut-être là où je, vraiment, avec mon titre de CPA, ça m'aide parce qu'il faut préparer des budgets. Il faut réviser, il faut faire nos prévisions financières, il faut approuver des dépenses, mm-hmm. faire des suivis. Faut analyser la rentabilité de projet, tu sais, ça va me coûter de temps, mais je vais-tu en avoir pour mon argent si j'investis ces sous-là dans tel projet marketing, par exemple. Je pourrais t'en nommer beaucoup, là, mais tu sais, je fais beaucoup de projets là, qui sont plus peut-être liés au marketing maintenant, l'aspect commandite, l'aspect réseautage, l'aspect promotionnel, puis l'aspect relations publiques aussi, là, parce que veux pas, notre réseau, c'est important, là. Quand on est au secondaire, nos amis, ben plus tard, ça va peut-être être des personnes qui vont vous donner des contrats ou qui vont vous embaucher ou avec lesquelles vous allez avoir des relations d'affaires. Donc, ça commence dès le secondaire, je dirais, là, notre réseau. Là. Donc, il faut entretenir ça aussi. C'est vraiment intéressant de voir à quel point c'est diversifié le rôle d'un CPA. C'est-à-dire qu'il y a une diversité... Tout au niveau de l'organisationnel, hein, que ce soit avec le personnel, l'aspect financier, oui. Il y a aussi un volet marketing, puis les relations d'affaires à l'extérieur de l'entreprise. Donc, si on aime l'administration, on aime aussi l'organisationnel, c'est vraiment une formation à considérer là, pour faire carrière. Ben oui, tout à fait. Je pense que avec le titre de CPA, dans le fond, là, un coup que tu as décidé, que tu dis, ouais, je pense que le monde des affaires, l'entrepreneuriat, ça m'interpelle, je pense que le titre de CPA, ben oui, tu peux travailler en cabinet comptable, comme j'expliquais tantôt. Tu peux aussi décider de dire, ben moi, je veux vraiment travailler dans une entreprise, puis je veux gravir les échelons, tu sais, on peut être analyste financier, on peut être contrôleur, directeur financier, VP, on peut être président d'une compagnie aussi. Ce qui n'est pas à négliger non plus, on peut être professeur. On a besoin de professeurs, comptables dans les cégeps, les universités. Travailler aussi au sein d'un OSBL ou d'une fondation. Donc, si on a l'âme un peu plus vouloir sauver le monde, ça peut être un aspect intéressant. Puis, tout ce qui est développement durable aussi, je pense que dans les prochaines années, on va en entendre beaucoup parler. Puis les CPA, ils vont être là pour certifier les données. Tu sais, quand une entreprise dit « Ah, je suis carbone neutre » ou tu sais, bon, ben il va falloir que des professionnels puissent venir certifier ça. Puis je pense que les CPA sont en bonne position pour le faire. Fait que ça aussi, avec tout ce qu'on entend là, au niveau du développement durable, on va avoir un rôle important les CPA à jouer à cet égard-là. Donc, c'est quelque chose, vraiment une carrière d'avenir. D'ailleurs, les perspectives d'emploi sont excellentes dans le domaine. Je le dis là, présentement, là, que ce soit les cabinets comptables ou les entreprises, que ce soit une petite, moyenne ou très grande entreprise, nous, à l'ordre, on se fait constamment appeler par les employeurs en disant « on veut des CPA, on en veut, on en cherche ». Donc, je pense que les jeunes d'aujourd'hui là, vont avoir des offres sur un plateau d'argent. Un domaine d'avenir, en effet. Mm. C'est un travail de bureau, principalement. Avez-vous, dans le cadre de votre travail, quelle sorte de matériel ou d'outils ou logiciels informatiques que vous utilisez? Tu sais, souvent, on pense quand on en dit comptabilité, il faut vraiment que je sois bon en maths, puis l'algèbre vectorielle, etc. Tu sais, ça, là, c'est comme... Non, là, je pense... Est-ce que tu sais multiplier, diviser, additionner, soustraire? Donc, je pense qu'avec un laptop, un fichier Excel, mais la suite Office en général, là, on peut très, très bien... travailler et se débrouiller. Maintenant aussi, avec le travail hybride, il faut maîtriser Zoom ou Teams, mais je pense qu'avec un laptop, on peut faire pas mal de chemin.
Puis c'est sûr que tout dépendant dans quel domaine tu travailles, quand j'étais en cabinet comptable, bien souvent j'étais appelée à me déplacer chez le client en tant que tel. Donc, tu sais, j'ai vu autant une grande manufacture qu'une entreprise cotée en bourse, là, Québécois pour ne pas la nommer, donc Publication TVA, Groupe TVA. C'est fort intéressant d'aller manger à la cafétéria de TVA où on voyait toutes les vedettes par ailleurs. Et où aller faire un décompte d'inventaire, tu sais, pour une boutique d'aliments naturels. C'est vraiment varié tout azimut. Quand tu travailles en entreprise, ben, c'est sûr que si tu travailles pour une manufacture, ben, c'est important de peut-être te déplacer dans l'usine, voir la chaîne de montage, la comprendre. Parce qu'après ça, quand tu vas vouloir faire un montage financier pour acheter une nouvelle machinerie, ben, il faut que tu comprennes comment dans l'usine ça fonctionne, puis la rentabilité que va amener cette nouvelle machine-là dans l'usine. Alors, je dirais que c'est assez varié comme cadre de travail, mais comme outil en tant que tel, là, moi, je pense qu'un ordinateur, puis ça fait amplement la job. Excellent. Par rapport à la formation pour devenir CPA, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la formation, si je parle en partant là, de l'université, ou est-ce que tu veux que je backtrack un peu? Peut-être qu'on pourrait, à partir de la fin de secondaire, c'est quoi les possibilités ou qu'est-ce qui est intéressant? De façon générale, au secondaire, moi, ce que je conseille, c'est à tout le moins, ayez vos mathématiques fortes. C'est sûr, tantôt, je disais qu'on plus tard dans votre vie de tous les jours, vous ne ferez pas d'algèbre vectorielle ou vous ne ferez pas de gros calculs bien difficiles, mais c'est une base. Puis, ben, quand tu veux être un professionnel, c'est important quand même d'avoir un certain niveau d'études. Et puis, c'est pour ça que je dirais que dès le secondaire, va choisir tes mathématiques fortes. Au cégep, là aussi, la même chose, mais je pense qu'on peut aller faire la technique en administration des affaires, option comptabilité, comme on peut faire sciences humaines avec maths ou carrément sciences pures, là, sciences de la nature au cégep. Donc, je dirais que ce qui est tout le temps à recommander, c'est de voir quelle université vous voulez aller, parce que là, tout dépendant, il y a des préalables différents d'une université à l'autre, mais somme toute, je pense que si vous avez toujours pris vos maths fortes, vous allez pouvoir accéder à l'université là, qui vous plaira. Et puis, l'université, ben, il y a plusieurs universités qui offrent le bac en administration des affaires. Ou sinon, directement, il y en a qui offrent le bac sciences comptables. Alors, pour ma part, moi, j'ai fait un bac en administration des affaires et c'est en troisième année que j'ai décidé là, d'aller chercher mon titre comptable, donc de faire l'option comptabilité. C'est sûr que quand on décide de vouloir devenir CPA, comme je disais, c'est un titre professionnel, alors on a des études, on a un diplôme de deuxième cycle universitaire à faire, qui inclut un stage rémunéré par ailleurs. Donc là, ce diplôme-là, c'est dans le fond, c'est une quatrième année universitaire, et puis qui inclut des stages, comme je disais, qui sont rémunérés, et la période de stage, c'est 24 mois. Donc, en bout de piste, là, après ça, on devient CPA, mais il faut avoir réussi un examen. Mais ça, rendu là, c'est quand on a réussi avec succès notre bac, puis le diplôme de deuxième cycle, l'examen, là, la très grande majorité le passe, là, mais ça fait partie d'un autre professionnel là, que de passer ce genre d'examen-là. Merci, très intéressant. Puis si on comparait côte à côte le bac en administration des affaires puis le baccalauréat en sciences comptables, qu'est-ce qui nous ferait choisir un ou l'autre davantage? Bien, tu sais, c'est sûr que si vous êtes, si vous voulez, vous avez l'âme d'un entrepreneur ou que vous savez que vous voulez peut-être travailler en entreprise aussi, bien, tu sais, peut-être que vous n'êtes pas tout de suite branché, puis le bac en administration des affaires fait que vous voyez tous les volets avant de vous brancher à l'ultime en comptabilité. Mais je dirais que un dans l'autre, ça se ressemble beaucoup là, comme formation. Donc, un n'empêche pas l'autre, là, je dirais. Si tu aimes mieux explorer un peu pendant tes deux premières années, le bac en administration des affaires est peut-être à choisir. Mais tu fais un bac en sciences comptables, ça t'ouvre toutes les portes pareil. Là. Donc, je pense qu'il y a pas mal de cours semblables là,
quand même. Là. Même si tu es en bac en sciences comptables, tu vas en avoir des cours en administration de façon plus générale. Là. OK. Mais là, okay. Je ne suis pas experte. Là. Je ne veux pas me... Ouais. Bon, ben, vous pouvez toujours venir voir un conseiller d'orientation pour, ben oui. pour demander et comparer les programmes là, si vous hésitez entre les deux possibilités. Exact. Julie, à quel moment avez-vous su que c'était réellement ce que vous vouliez faire dans la vie? Bien, tu sais, quand j'étais au HEC, je ne l'ai pas dit. Alors, moi, j'ai fait HEC, les hautes études commerciales, donc mon bac en administration des affaires à l'Université de Montréal. Dès ma deuxième année à l'université, les entreprises qui embauchent des aspirants CPA venaient sur le campus universitaire recruter les jeunes directement là, sur le campus. Et puis, comme je vous l'ai dit tantôt, là, tu sais, c'est important pour moi d'avoir un titre professionnel. Donc, j'ai rempli là, toutes les étapes, là, dans le fond, pour faire le recrutement, rencontrer les employeurs, participer à leur activité, faire des entrevues. Puis, tu sais, veux pas, quand tu fais la visite des cabinets comptables ou des entreprises, ben, tu peux un peu te projeter, tu sais. Tu peux voir, tu peux dire « Ah oui, je pourrais travailler là » ou tu rencontres aussi des gens puis tu dis « Ah oui, ces personnes-là, ça clique vraiment avec eux, j'aimerais ça travailler avec eux, tu sais. » Alors, vraiment, ça a comme confirmé mon choix là, que CPA, c'était pour moi. Donc, c'est vraiment à l'université que ça s'est passé. Intéressant. Et puis, juste un rappel, pour Jeune Explo, stage d'un jour, vous pouvez aller faire un stage pour aller voir si ça ressemble à quoi un milieu d'un CPA. Et ça peut venir valider un peu votre choix de carrière. Mais absolument, parce que comme je disais tantôt, une journée, les journées sont tellement différentes, sont variées, les milieux de stage ou en tout cas d'emploi aussi sont variés. Donc, je pense que vous pourriez même faire plus qu'un stage puis voir que les CPA font différentes choses, là, tout dépendant du milieu dans lequel ils évoluent. En parlant des milieux, quels sont les secteurs d'activité où est-ce qu'un CPA travaille? Bien, tu sais, c'est vraiment tout varié parce que même au sein d'une entreprise, on peut avoir plusieurs CPA qui font des choses différentes. Tu sais, une très grande entreprise va avoir un VP finance, va avoir un contrôleur, va avoir peut-être même quelqu'un qui s'occupe de la fiscalité, donc les impôts corporatifs là, pour être en règle avec l'imposition d'un pays ou même quand il y a des multinationales puis que les entreprises sont un peu partout dans le monde, on a besoin de CPA qui connaissent la fiscalité de plusieurs pays. Alors, juste au sein d'une entreprise, il peut y avoir plusieurs postes que vous pouvez occuper en tant que CPA. Si vous voulez être entrepreneur, tu sais, oui, vous pouvez embaucher des CPA qui peuvent vous aider, mais si en plus vous êtes CPA et entrepreneur, ben quand vient le temps de faire un plan d'affaires, de monter des états financiers avec des projections pour voir c'est quoi que vous avez en tête puis où vous voulez amener votre entreprise, bien, ça donne vraiment une crédibilité d'avoir le titre de CPA. Les banquiers vont être à l'écoute, ils vont savoir que vous êtes CPA, que vous avez de la crédibilité, puis que si vous faites ce type de projection financière-là, bien, c'est que ça tient la route. Donc, ça, c'est un autre aspect. Écoute, pour ne pas les nommer, là, François Legault et Christian Dubé, donc le premier ministre et le ministre de la Santé, ce sont des comptables professionnels agréés. Alors, même en politique, on peut faire sa place. Travailler dans le secteur public ou en enseignement, alors c'est vraiment varié. Effectivement, là, vous donnez un bon exemple là, par rapport aux dirigeants. Puis c'est vraiment, je trouve, les CPA, ils ont un côté de faire partie du cercle des décideurs un peu, parce que c'est ça qu'ils régulent un peu, ils regardent comment les choses fonctionnent en réalité. Donc, c'est vraiment intéressant. Oui, ouais, parce que, tu sais, si je peux me permettre, tu sais, c'est beau les chiffres, mais il faut savoir les faire parler. Tu sais, les ordinateurs, ils peuvent en cruncher un nombre de chiffres incroyables et beaucoup plus vite que l'humain. Mais après ça, de comprendre, de raisonner, de les expliquer, de déceler des tendances, ben ça, c'est un humain derrière ça, puis le CPA est particulièrement bon là-dedans. Puis les secteurs, là, on peut être à son compte, on peut être dans un bureau d'experts comptables. On peut travailler dans une entreprise privée.
Ça peut être aussi au niveau du gouvernement, des services publics. Il y a vraiment là, l'ensemble des possibilités de secteurs là, qui ont besoin de la CPA. Je dirais que si vous êtes mélangé, ben souvent le titre de CPA peut être un gage de succès parce que ça va vous fermer aucune porte. Au contraire, ça va vous en ouvrir un paquet. Donc, je pense que c'est un choix vraiment intéressant. En effet. Est-ce qu'il y a plus de femmes ou plus d'hommes qui travaillent dans votre domaine? Au niveau de la mixité en emploi? Bien, je dirais présentement, là, au niveau du membership, là, donc c'est-à-dire, il y a 41 000 CPA au Québec, c'est à peu près un petit peu plus d'hommes, là, mais je dirais qu'on est à peu près à 50-50. Puis dans les candidats, donc les aspirants CPA, là, il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes. Là, on est à 52 % peut-être. Là, donc, on va se le dire, là, c'est à peu près moitié-moitié. OK, c'est super intéressant. Puis tant que la personne est intéressée à travailler dans un environnement plus de type bureau, je pense qu'il n'y a pas de limite au niveau de homme ou femme dans l'organisation pour travailler comme CPA. Non, effectivement, là, il n'y a pas un genre plus que l'autre, là. Non. Ensuite, d'ici comme question, que conseilleriez-vous à un étudiant qui aurait le même objectif de carrière que vous? Ben, qu'est-ce que dans objectif par rapport à être à faire ce que je fais présentement? Avec CPA, oui. Avec CPA. Ben, moi je dirais go, là, tu sais, t'es capable, tu sais, le monde des affaires, tu sais, des fois on pense que t'es un peu requin et tout ça. Ben, tu sais, il faut être bien armé. Puis le titre de CPA, c'est sûr que ça sera pas tout le temps facile parce que il y a des études, il y a des examens, il y a 24 mois de stage. Mais je pense que si tu veux être, que ce soit ton propre employeur, gravir les échelons d'une entreprise comme, pour ma part, moi, c'est ça que j'ai fait, ben, je trouve qu'avec mon titre de CPA en poche, ça, c'est vraiment une marque de crédibilité qui a fait que je suis là où je suis rendue, là, présentement. Donc, je dirais que go, va le faire ton titre de CPA, puis regarde pas en arrière, tu sais, c'est vraiment, là, la clé de ton futur succès. Julie, c'est archi intéressant. En terminant, un immense merci à l'Ordre des CPA du Québec d'avoir accepté d'être avec nous pour l'édition 2021-2022. Merci à notre mentor, Julie Péloquin, pour ta participation et ton temps aujourd'hui. Pour les jeunes qui sont à l'écoute, j'espère que cette rencontre virtuelle a pu vous éclairer comme ça a su m'éclairer moi par rapport à votre choix scolaire et professionnel. Je vous félicite d'avoir pris le temps de vous connecter avec nous. Et en mon nom et celui de Jeune Explo, je vous dis à une prochaine fois. Bye-bye!